Salut tout le monde, c'est Rambo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny. Donc comme vous l'avez vu au titre, c'est je monte les exotiques pour vous. Donc en gros, en quoi va consister cette série? Ça va être simple, je vais monter, ben voilà, comme le titre l'indique, je vais monter les exotiques pour vous. Donc aujourd'hui on va s'occuper du rapace noir. Donc voilà, comme vous voyez j'ai déjà monté la plupart des ronds. Il me reste vraiment le dernier ici à monter, donc je vais faire une partie en PVP. Je vais monter le maximum, si jamais il me reste encore un petit peu. J'ai gardé un contrat ici à faire, enfin, un contrat rempli pour pouvoir le finir. Parce que en gros, en fait cette série, ça veut dire que je vais monter le maximum de l'arme, faire une partie en PVP et finir l'arme en fait, voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui on va s'occuper du rapace noir, dans les prochains épisodes je changerai d'arme à chaque fois. Je vais essayer de monter le maximum des armes, seulement je vais pas toutes vous les faire parce qu'il y en a déjà pas mal que j'ai monté, comme le Galahorn je l'ai monté, la Vex je l'ai déjà monté, le Chardon il est monté, enfin il y en a plein. Mais je vais essayer de faire le maximum, même les armes qui sont un petit peu plus galères comme le Finisterrae ou bien... d'autres armes, voilà, je vais essayer de vous faire le maximum des armes. Donc dites moi si jamais ça vous plaît cette série, si pas je l'arrête tout de suite, si ça vous plaît je la continue. Je sais déjà que bon, la plupart d'entre vous ont déjà monté toutes les armes exotiques du jeu, mais moi je m'y mets seulement maintenant. Donc je sais, je m'y mets un peu en retard parce que j'ai eu la flemme de les monter, hein, voilà, faut dire ce qui est. Donc voilà, donc je suis comme vous avez vu avec Yoshi Power, donc grosse dédicace à toi si jamais tu regardes la vidéo l'ami. Et donc on est parti en choc sur les nouvelles maps du DLC. Donc là par contre j'ai un petit souci, c'est que je joue sans son, parce que j'ai dû brancher le casque que j'utilise sur la console sur mon PC, et malheureusement j'ai pas encore trouvé comment faire pour avoir le son du jeu et pouvoir vous parler en même temps. Bref, c'est pas très très grave. Habituellement je commentais avec mon PX22, mais là je sais pas ce qu'il fait. Il veut plus, je sais pas, il fait des bruits chelous comme si il y aurait un castor en train de... je sais pas, qu'il y a une bestiole dans le micro, enfin voilà, ça fait un bruit dégueulasse, donc je me sers du Siberia pour vous commenter ça. Bref, donc voilà, donc une fois que l'arme sera montée, ce qu'on va faire c'est que, enfin, après la partie je vous donnerai un petit peu mon avis sur l'arme, même si on a tous un avis différent, mais laissez-moi votre avis dans les commentaires, moi je vais vous donner mon avis sur l'arme, ce que j'en pense, si elle est meilleure pour le PVP, pour le PVE, ou si elle est bonne pour les deux, donc voilà. Alors on se retrouve sur la map, c'est la Clepsydre. C'est pas une map que je connais, j'aime bien cette map là. Ouais, voilà, bon, allez, on est parti. Je vais essayer de vous faire quand même un score assez potable, une bonne partie. Donc je vais vous montrer mon équipement, donc ben, rapace noir, mensonge de Felwinter, BTR, mais je vais essayer de jouer que au rapace noir. Et puis voilà, allez, c'est parti. Alors, hop. Donc oui, donc je joue avec l'arcaniste en abyssal. Ok, je me suis déjà fait défoncer, ça c'est pas mal. En abyssal avec le saut TP. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, comment tu fais pour le saut TP? Ben, parce que sur le saut TP, il y a un saut TP sur l'arcaniste. Ben, moi au début je ne le savais pas, et il y a quoi, ça fait 2 mois que je l'ai découvert. Donc honnêtement, le saut TP peut vous sauver la vie à certains moments. Bon, c'est pas grave. Donc oui, donc j'ai oublié de préciser, je suis en live. Enfin, c'est en live, pas en live stream, hein. Je suis en live commentary. Il y avait longtemps que je vous avais fait un petit live commentary, et je crois que sur Destiny, je vous en avais jamais fait. Et là, je fais totalement de la merde, que je vais me concentrer pour vous proposer quand même une vidéo de qualité, malgré que, voilà, vous connaissez très bien comment je fonctionne sur ma chaîne. C'est pas de la perf, j'essaye de juste proposer ce qui me plaît. Oh là là, là-bas, il y a du monde. Hop, on va balancer une petite grue. Hop là. Je suis en train de me faire cramer. Aïe aïe aïe. Jouer sans son, c'est quand même dur, hein. Alors j'avais dit, j'ai une petite blague à faire, mais je la lâche à chaque fois, hein. Je suis en train de jouer comme Véronique. Pour ceux qui auraient compris, hein, petite dédicace à Mergin pour ses blagues de merde, faut dire, pour ses jeux de mots pourris, mais j'en fais aussi pas mal. Wow. Ah, le Chardon il fait très mal, hein, honnêtement. Un peu abusé le Chardon quand même, hein. Faut dire ce qui est. Bon, donc voilà. Bon,
Comme d'habitude en live commentary, hein, je ne peux malheureusement pas me concentrer sur le commentary et sur le gameplay. Donc je vous propose pour le moment de la merde. Et pourquoi? Moi il y a un truc qui me tue sur le chardon. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi quand je tire, je suis obligé de mettre 3 voire 4 balles sur un mec pour le tuer. Et moi quand je me fais tuer par un chardon, généralement c'est la balle chanceuse qui me tue. Je sais pas pour si pour vous c'est la même chose, mais moi ça me fait ça. Donc voilà. Moi la balle chanceuse, on dirait que j'ai pas de balle chanceuse dans mon truc. Et puis bon, il y a comment dire, il y a aussi que là ça fait ben, ça fait 2 jours que j'ai pas joué au revolver en fait sur Destiny. Je vous explique parce que je suis déjà en train de m'occuper de monter la deuxième arme pour le prochain épisode. Le prochain épisode qui je vous proposerai la mort rouge. C'est pas possible. Voilà, tu décèdes. Voilà, donc le prochain épisode ça sera la mort rouge. Et je suis déjà en train de la monter. Enfin elle est presque montée, il me reste le dernier rond à essayer de monter le maximum. Pour que je vous propose cet épisode. Bordel. Tu vas mourir, oui. Merci. Bon, le super, par contre, je vais m'en servir, hein, histoire de quand même faire remonter un petit peu au score, parce que... Là. Il y en avait plusieurs, c'est ça, ouais. Arc à Radiance, malheureusement. Moi, je ne joue pas en Radiance, sauf en Osiris, hein, parce que Osiris, c'est, on va dire, c'est un peu obligatoire de jouer en Radiance pour pouvoir aider, malgré qu'il y en a qui jouent en Abyssal. Mais moi, en Abyssal, sur Osiris, je préfère quand même assurer le coup et jouer en Radiance. Pas que je joue avec des alliés qui sont un peu... Ouais, je veux dire qu'ils sont merdiques, mais la Radiance peut vous sauver la vie si jamais... si jamais il y a une petite égalité, par exemple. Petite Radiance, vous la sortez, boum, ben, il n'y a pas d'égalité et vous gagnez la manche, quoi. Ou tout simplement pour vous réanimer si besoin. Bon, les mines vertes je les prends pas parce que je vais pas me servir du pompe. Il est où ce con? Putain. Je suis en train de tourner autour d'un mec, ou alors c'est lui qui est en train de me tourner autour, je ne sais pas. En fait c'était un peu les deux. Voilà. De toute façon le son du gameplay sera enregistré. J'ai regardé en fait si l'enregistrement c'était tout bon, mais vraiment oui. Ils sont où les ennemis là? Parce que on est en train de gagner la game. Là, je me suis mis un petit peu plus à fond sur le PVP parce que honnêtement je ne jouais pas beaucoup en PVP sur Destiny. Et on va dire que j'ai découvert ce mode il y a une semaine. Hein, enfin, ouais, je jouais avant, hein, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire c'est que je découvre seulement ce mode parce que je viens seulement de m'y mettre en fait. Et je peux vous dire que je m'amuse, tout simplement. Je commence à prendre du plaisir un petit peu sur ce jeu. Et en choc, j'ai depuis 2 jours, j'ai pas perdu une seule partie. Donc justement, je suis en train de monter mon grimoire. Et ça fait vraiment plaisir. Bah, je vous parle un petit peu de tout et n'importe quoi, parce que je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Quand on est en live comme ça, c'est un peu plus compliqué de trouver un sujet en différé. Oui, sujet en homme et... Ah là 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 là. Ça ne va plus ça. On va aller Rambo, ressaisis-toi. Bon ça va, je suis quand même deuxième alors que je fais un score de merde. J'espère que ça se passera mieux avec la mort rouge. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires pour le troisième épisode, vu que bon, le deuxième s'est déjà monté, quelle arme vous voudrez avoir parce que, comment dire, vu que la mort rouge va être terminée, je suis en train de commencer à monter le Monte Carlo. Et j'hésitais à vous proposer soit le Monte Carlo, soit la Bat Juju, la poupée vaudou. Voilà. Mais je me suis dit que la poupée vaudou, je la ferai plus tard. Pourquoi pas dans le quatrième épisode. Donc là pour le troisième épisode, ça sera ça sera Monte Carlo. À la base, ce que je devais faire en fait, c'est que je devais... Non, j'ai dit que je prenais pas les lourdes. J'avais pensé faire un genre de sondage et vous proposer de voter entre deux armes dans les commentaires ou bien faire un petit sondage, fallait cliquer et puis voilà, j'aurais vu quelle arme était choisie le plus et j'aurais fait en fonction de ça. Mais bon, en attendant, si je dois attendre à chaque fois vos votes, je prends du retard.
Je prends du retard pour monter une arme. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vu que j'ai du retard, je peux pas vous proposer une vidéo tout de suite en fait. Voilà, par exemple, et là la vidéo, je sais que pour le rapace noir, vous allez l'avoir un tel jour. Et ben, je sais que 3 voire 4 jours après, je peux vous proposer l'épisode 2 par exemple. Donc voilà, désolé si je vous fais pas voter. Ça aurait été avec plaisir, mais pourquoi pas dans un autre pour un autre projet, hein, mec, il est là. Allez, il me tourne encore autour. Mais donc voilà, il y a vraiment pas mal d'armes que malheureusement je ne saurais pas faire. Bah, mon équipe a perdu, c'est dommage, c'est ma première défaite. Mais bon, c'est vrai, je finis quand même premier. Bon, à mon avis, je ne pense pas que le rapace noir j'ai gagné énormément, mais c'est pas grave, j'ai le contrat, donc voilà. Pour moi, ça se passerait comme ça si maintenant. Oh, quoique. Ouais, bah avec le contrat, c'est bon, ça sera fait. Voilà, bon. Je fais pas un score énorme, mais. Ah, j'ai looté. Ok, milité bas de gamme. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais le démanteler. Donc voilà. Ben, là, on va aller direction le récif. Je vais aller monter directement le rapace. Pendant le chargement, je vais vous donner mon point de vue sur l'arme. Tout simplement, un très bon revolver que j'ai mis depuis la sortie du jeu à looter. Je l'ai seulement eu le jour de la sortie du DLC 2. Donc ça m'a pris pas mal de temps à le looter. Donc j'ai pas vraiment énormément joué avec. Mais pour le peu que j'ai joué avec, je trouve que c'est un très bon revolver pour le PVP. C'est. Voilà. Il peut one shot comme il peut mettre. En fait, tout dépend de la distance. Comme vous avez vu tout à l'heure, je mettais 4 balles dans un mec à une certaine distance. D'un peu plus près, je lui mettais 2 voire 3 balles. Donc, je pense que c'est un très très bon revolver avec de bonnes stats. Un très bon impact. D'ailleurs, je pense que si je le compare. Non, bon, là, ouais, c'est une arme que j'ai lootée tout à l'heure. Franchement, elle a des stats, surtout l'impact. Bref, donc un très bon impact. Cadence de tir, je pense que c'est la même que la grande faucheuse. Voilà, il a un petit peu plus d'impact que la grande faucheuse, une meilleure portée. Mais malheureusement, sa portée fait que il a une bonne portée, mais s'il aurait plus, je pense que à longue distance, on mettrait moins de balles. Mais je trouve que pour un revolver, il a une très bonne portée, une très bonne cadence. Il ne bouge pas énormément, il a une très bonne stabilité. Il recharge, on va dire que moyennement vite, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, bon, moi j'ai pas de chance, je ne tombe pas sur la balle chanceuse, mais ça c'est qu'un détail. Donc voilà. Alors, on va remettre ce contrat-là. Et voilà, j'ai le rapace noir qui est monté totalement. Ah, attendez. Non, il n'est pas encore monté. Donc voilà, donc pour moi c'est un très bon revolver à utiliser si jamais vous l'avez. Et voilà. Mais pour le PVP, pas pour le PV. Voilà, rapace noir monté entièrement. Donc prochain épisode, ça sera la mort rouge. Et puis voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce fut court, ce fut rapide. J'espère que cette série va vous plaire. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue cette série. Voilà, comme je vous ai dit au début, bon, je sais que tout le monde a déjà les armes exotiques presque ou toutes montées à fond. Moi, il m'en reste pas mal. Par exemple, je sais que celui-là, il n'est pas monté. Celui-ci n'est pas monté. Celui-là n'est pas monté. Celui-là non plus. Celui-là est presque monté à fond. Donc, celui-là, je vous le ferai aussi. Malgré que j'en ai déjà 2 de montées. Bon, celle-là, elle est déjà faite. Celle-ci, elle est presque à fond. Ça, j'ai encore rien fait non plus. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ben non, voilà, celle-là je pourrais la monter aussi, par exemple. Le souffle du dragon, pareil. Voilà, vous voyez, il y a vraiment pas mal d'armes, donc il y aura vraiment pas mal d'épisodes si jamais vous voulez. En même temps, ben voilà, vous aurez un petit avis. Je pourrais même faire les armes du DLC 2, je crois, ouais. Je vais regarder, mais je crois que le fusil à pompe, malheureusement, il est déjà monté à fond, malheureusement. Mais l'arc des parjures, non. Il me reste pas grand-chose, donc je pourrais vous le faire aussi en PvP. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi sur ce, je vais simplement vous dire, gardez la patate et ciao tout le monde!